Salut! Bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour un énorme unboxing. Oh, ça va déjà épuiser rien que de faire ça avec cette chaleur. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit, gros, énormissime unboxing. J'ai reçu déjà un énorme colis qui est super méga lourd comme ça, des Victoires de la Beauté. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques années, j'y vais tous les ans, logiquement, quand il n'y a pas Covid. Hein. Je vais tous les ans aux Victoires de la Beauté et puis ça me permet de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles tendances et les produits qui ont été élus souvent meilleurs produits de l'année, etc. Donc là, comme il n'y a pas eu de fête à Paris, de soirée Victoire de la Beauté à Paris, d'habitude je vous en parle toujours sur Instagram, et là il n'y en a pas eu cette année puisque bah, c'était confinement Covid au mois de mars. Du coup, bah, ils m'ont envoyé le colis avec tous les lauréats, tous les produits qui ont fait succès pendant l'année, qui ont été testés par des testeuses anonymes et des produits qui étaient en version anonyme quand ils ont été testés. Du coup voilà, on va découvrir ensemble rapidement le gros colis. Déjà il y a, vous savez, le petit prospectus avec tout, bah, justement le palmarès 2020-2021 de tous les produits. Donc c'est ce fameux petit logo là, hein, Victoire de la Beauté pour celles qui ne connaissent pas. Et on va découvrir du coup tous les produits à l'intérieur. Le sac est énorme. Donc c'est toujours un sac personnalisé aussi aux Victoires de la Beauté. Et là le sac est très lourd, il y a plein de choses à tester, à découvrir. Donc j'ai hâte parce qu'il y a plein de marques que je ne connais pas. Bon, il y en a certaines que je connais aussi, hein, donc on va faire ça. On va découvrir ça tous ensemble. Première crème que je découvre de la marque Dermina, c'est une crème apaisante, hydrate et diminue la réaction cutanée. Donc ça, ça peut être très bien pour... je vais voir si ça peut s'utiliser sur mes enfants. Mais Made in France et parfum sans parfum. Donc ça, ça peut être très bien. Donc ça, on testera parce que moi, j'ai des enfants qui ont des réactions souvent aux crèmes. Donc je vais voir si c'est adapté pour eux. Ensuite, on a un produit Garantia, c'est les larmes de fantôme. Un roll-on multi-action paupières et yeux qui anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. Donc ce produit-là, trop bien. Ça, pourquoi pas, anti-cerne et tout, ça peut être très sympa. Oh, ça c'est une marque que j'adore. Bacom Bio, un contour des yeux aussi. Alors cette marque-là, j'avais eu un sérum et tout que j'avais adoré. Donc ça c'est trop cool, un contour des yeux à l'acide hyaluronique et à l'extrait de lys du désert. Ça c'est des très bons produits et c'est bio. Évidemment les produits dont je ne me servirai pas, on ne sait jamais, il y a des produits peut-être que je n'utiliserai pas, je vous les glisserai dans un énorme concours qui arrivera sur Instagram et j'essaierai de vous le partager aussi dans l'onglet communauté. Donc on a un autre produit Green Skin Care, donc encore une fois Cosmé Bio, crème de jour. Alors la crème de jour elle est juste énorme, hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille, mais le pot est... Ah d'accord. Ah ouais, il est vide en fait. Et après, c'est à vous de mettre la crème. Ah, c'est marrant ça. Et il y a le couvercle. Ah ouais, c'est à vous de mettre le pot comme ça. Et en fait, bah, comme ça, vous jetez jamais le pot en verre. Vous rachetez juste des rechargeables. C'est trop génial. C'est une super idée. Alors là, super idée de la part de cette marque-là. Tiens, vraiment très intéressant l'idée. On a un produit de la marque Inoya Laboratoire, un élixir régénérant, réparant pour tout type de peau, mais pour les peaux noires et mates. Donc ça, je donnerai peut-être à ma belle-sœur à voir, ou à ma belle-maman, puisque c'est plus adapté pour sa peau à elle, mais c'est très intéressant d'avoir des produits un petit peu pour d'autres carnations, je trouve ça très bien. On a un gommage au noyau d'abricot Beauty Success, 99% d'origine naturelle, comme ça, un exfoliant à base d'aloe vera bio et des noyaux d'abricot bio. Donc ça c'est pas mal du tout, la marque Beauty Success, c'est vrai que c'est une marque qui est pas trop chère dans mes souvenirs, ça peut être très intéressant. Et on a un soin pour les cheveux, soin sans rinçage, donc ça je l'ai déjà, j'ai du mal à le terminer d'ailleurs. C'est pas un soin, j'aime beaucoup cette marque hein, de Palmers, mais celui-ci c'est pas un soin coup de cœur en tout cas. Donc c'est sans rinçage pour cheveux secs, abîmés, fragilisés, il manque le petit bouchon mais il doit être quelque part au fond hein, j'imagine. On a une Mademoiselle Saint-Germain, alors, je sais pas ce que c'est, un gommage au sable de Fontainebleau. C'est trop beau le packaging. C'est comme ça, un packaging en métal donc réutilisable. Est-ce que je vais réussir à le... Ah ouais, j'espère que je vais pas en mettre partout. Non, ça va, il y a une protection. Comme ça, je vais pas ouvrir hein, évidemment, je vais attendre de l'utiliser. Mais ça, c'est un gommage qui m'a l'air vraiment bien. Un peu granité, donc pas mal du tout le packaging, j'aime beaucoup. On a un shampoing solide comme ça de la marque The Bar Ethicalist Go Green. Donc je pense que ça, c'est une marque asiatique parce que tout est écrit...
dans une autre langue derrière, et du coup c'est tout simplement un shampoing solide, donc ça c'est très bien, j'aime beaucoup les shampoings solides de plus en plus maintenant. On a un tout petit produit comme ça, une huile démaquillante solide, alors ça je kiffe, je trouve ça trop sympa l'idée, nettoyant visage et yeux au calendula bio de la marque Druides comme ça. Ça je suis hyper tentée, donc made in France, hein, fait avec cœur en France, et ça sent ma foi rien de spécial, donc c'est très bien. On a des petites gommes, alors ça m'intrigue, l'Achillée Beauty Good Detox Essential Boost à la pensée sauvage au boulot et aux probiotes, Delicious Gummies, donc des petites gommes comme ça à manger qui ont un effet détox qui permet d'équilibrer l'organisme. Ça, pourquoi pas tester, je suis pas méga fan des trucs un peu détox, mais pourquoi pas, hein. Je suis pas fermée à l'idée. Toujours de chez Palmer's, alors ça c'est cool, on a le shampoing à l'huile de coco, alors ça j'adore. Ça je l'adore, à base d'huile de coco, huile de moleuil et de protéines de kératine. Et alors c'est pas bio en Palmer's, mais en tout cas ils essaient de faire un effort sur la compo, c'est plutôt pas mal. On a un petit dentifrice bio qui est de la marque Gum, hein, G-U-M, Fresh Mint avec de l'aloe vera. Donc ça j'ai hâte de tester, j'aime bien tester les petits dentifrices bio, hein. Vraiment j'en teste de plus en plus et il y en a des pas mal du tout. De la marque Arco Pharma, on a des cheveux et longues fort capillaires. Alors ça j'en ai besoin parce que mes ongles en ce moment n'en parlons pas, mais mes cheveux ça va. Donc c'est un fortifiant kératine plus, résistance, vitalité, volume. Alors j'ai pas besoin de volume moi, mais on verra si je teste, on verra si je mets en concours, c'est plutôt cool. On a un autre produit qui est une poudre minérale de la marque Couleur Caramel. Tiens, c'est sympa leur packaging comme ça. Donc c'est une poudre, ah j'aime bien l'intérieur. En teinte 04, alors j'espère que la teinte ça ira. Le packaging est magnifique comme ça. Oh, c'est trop beau, c'est aimanté comme ça. Ouais, la teinte ça ira, surtout pour les beaux jours là. Ah bah je vais l'utiliser, oui je vous montre le miroir. Mais c'est vraiment pas mal fait. Et c'est aimanté comme ça, donc poudre minérale comme ça, très beau packaging. Vraiment. On a des produits de la marque Niki Paris. Alors ça, je reste dubitatif, je sais que ça a fait beaucoup de succès sur Insta et tout ça, on en a entendu beaucoup parler. C'est le shampoing à la boue riche en minéraux et le masque à la boue riche en minéraux, favorise la croissance des cheveux, alors j'en ai pas spécialement besoin. Je verrai si je vous le fais gagner ou si je teste. Vraiment je suis sceptique, je vais réfléchir à ça, parce que j'ai tellement entendu de choses sur cette marque là, pas forcément positives et tout. Donc je verrai bien, mais en tout cas je suis contente d'avoir ça, parce que même si c'est pour vous les faire gagner, ça fera toujours plaisir. On a le fluide de teint fini lumineux et naturel de chez Embryoli, c'est la teinte 2 beige rosé. Moi je l'ai déjà et je l'aime beaucoup, et c'est vrai qu'il est assez foncé cette teinte là, je pensais que ça m'irait, en fait c'était foncé. Donc celle-là, attention à la teinte, hein. Moi je vous conseille vraiment si vous êtes clair, pourtant là j'ai bronzé, hein, mais si vous êtes clair prenez la teinte 1, mais c'est un bon fluide de teint que j'aime beaucoup. On arrive bientôt au bout, on a un shampoing à la kératine de chez Biocide qui est une marque de shampoing et aussi de compléments alimentaires comme ça. Donc il promet kératine et à base d'huile d'argan, anti-chute, réparateur et nourrissant. Donc ça peut être très intéressant, c'est vrai que Biocide ils font beaucoup de produits comme ça un peu anti-chute pour les cheveux. Donc c'est intéressant si vous perdez beaucoup vos cheveux. On a de chez Franprix en gamme bio, je savais pas qu'ils faisaient des produits bio chez Franprix, un lait nourrissant corps au beurre de karité. Pour les peaux sensibles et sèches, alors le packaging j'aime bien, sobre et avec le fameux flacon pompe. On a des petits trucs comme ça, qu'est-ce que c'est donc ? Ça a des comprimés Urucum Bio du Brésil. 3 à 6 comprimés par jour à avaler avec un grand verre d'eau. Mais quels sont les bénéfices de ce truc-là ? L'Urucum Bio du Brésil est un fruit, d'après ce que j'ai compris, et il y a écrit donc à utiliser dans le cadre d'une alimentation saine. Bah écoutez, je ne sais pas, je vais regarder après du coup dans le petit journal du départ à quoi exactement ça sert, mais ça a l'air d'être des compléments alimentaires tout simplement. On a un concentré apaisant anti-rougeur à l'extrait de Belle de Nuit de la marque Condensée qui est une bonne marque. C'est un sérum comme ça, donc c'est très intéressant, anti-pollution etc. Donc ça peut être très sympa, 30 ml. Il nous reste 4 petits produits, une crème hydratante visage et corps toujours de chez Franprix comme ça en marque bio. Ça c'est sympa. Alors j'aime pas les crèmes qui font corps et visage, mais bon. Pourquoi pas l'utiliser sur le corps. Et on a de la marque Natura Lumina. Donc je pense que ça c'est une marque que je connais déjà. C'est un masque pour les cheveux réparateur. Et alors j'aime bien le packaging. C'est pas un packaging qu'on tourne, c'est un packaging qu'on ouvre, bah, comme les shampoings. Donc ça je trouve ça sympa. Donc ça je testerai, ça m'intrigue. Et puis pour finir on a deux lots de masques pour le visage tout simplement. Le Diamond The Biocellulose Mask de la marque Herboflore comme ça. Vous avez des grands masques à l'intérieur, donc ça aussi je vous en ferai sûrement gagner, ça c'est trop cool.
Et ceux-là, les Angel of Sliver Wings, donc c'est aussi des masques visage, il y en a 5 à l'intérieur, de la marque Ange ailé d'argent. Je ne connais pas, donc j'ai plein de découvertes à faire aujourd'hui grâce à ce big bag. Je continue dans mes réceptions, il y a aussi des achats, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo. J'ai reçu de la part Madame Glam une petite lampiote comme ça, UV, qui est toute mimi comme ça en version blanche. Hein. Donc je vous la montre, elle est vraiment toute petite, donc ça c'est vraiment la petite lampe UV à emmener partout avec vous. Si vous faites du semi en vacances, etc, ça peut être très pratique, c'est vraiment tout mini mini, mais ça peut servir. Et j'ai reçu des petits, d'ailleurs c'est super bien emballé, hein, regardez chez Madame Glam, des vernis semi-permanents avec des teintes que j'aime trop. Donc déjà on a une base et un top coat, hein, évidemment. Et après trois petites couleurs, donc on a une espèce de blanc marbré. Là ça vous paraît blanc mais ça fait un effet un petit peu marbré sur vos ongles. J'ai hâte de tester et je vous montrerai tout ça sur Instagram évidemment dès que j'aurai testé. Un mint qui est juste trop trop beau et un violet foncé comme ça, oui j'en cherchais un. Donc un beau 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 violet, vous voyez que j'ai rien sur les ongles, donc je ferai ça très prochainement. C'est super bien emballé, c'est arrivé super vite d'ailleurs chez Madame Glam. Et comme vous avez vu, il y a pas mal de choix, ça reste des prix tout à fait abordables. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Chez Colors & Makeup, vous savez c'est mon site un peu chouchou, il y avait un code de moins 25%. Donc j'ai craqué pour des petites choses. J'ai craqué tout d'abord pour ce petit duo là, j'en ai déjà reçu un de la part de la marque. Et je l'adore, du coup bah là j'en ai commandé un autre qui est en teinte, donc c'est de chez Wet n Wild, c'est les blush lighter, donc un blush et un highlighter, Hello Halo, et c'est la teinte I Meet Someone, si je me trompe pas, ouais ça doit être ça. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, et alors je vous dis pas, la pigmentation, regardez ça, je sais pas si vous verrez bien mais oh, ça envoie tellement du lourd, c'est trop beau. J'ai pris aussi dans le même style de gamme un bronzer qui est assez lumineux quand même. La teinte Palm Beach Ready, donc toujours de chez Wet n Wild. Ça se présente comme ceci, donc c'est un bronzer tout à fait correct avec une petite fougère dessus. Et la couleur est très lumineuse aussi. Alors attention, c'est vraiment très lumineux. C'est presque un highlighter quoi, à voir sur ma peau. Ça, faut que je teste pour voir ce que ça donne. J'ai repris un crayon pour les lèvres de chez Nabla parce que vraiment ils sont bien. Cette fois-ci j'ai pris la teinte Nude 5 qui est du coup un nude un peu plus foncé, plus soutenu, un marron foncé. Et il est trop trop beau. Et alors ils sont tellement crémeux ces crayons. Je vous jure, je ne vous mens pas, ils sont extrêmement crémeux. Ils marchent super bien sur les lèvres, ils sont trop 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 bien. Et pour compléter, j'ai pris un espèce de gloss Nabla qui était en promo. Pas cher, hein, il y avait des promos, donc surveillez hein, en sachant que là ça arrive la fin du mois, donc il y aura sûrement encore des promos. Je crois que j'ai un code aussi de moins 20%, Karine20 si ça vous intéresse. Donc là c'est vraiment un gloss tout simplement, avec aucun reflet à l'intérieur. C'est vraiment un gloss nude marronné qui est très beau à voir sur mes lèvres. Il est ici, donc la texture est pas mal de ces glosses, mais à voir. Et pour finir, j'ai pris une crème, parce qu'elle me l'a déjà envoyée, Marie du site Colors & Makeup, la crème visage anti-ride de Marie Lou Bio. Et du coup, elle m'a envoyé aussi deux petits échantillons à tester Marie Lou Bio avec, donc c'est trop cool. Ça, c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée, donc je l'ai reprise, évidemment. J'ai craqué chez Sephora, hein. Et oui, le code gold, il n'y a pas de soirée gold, mais il y avait un code gold, donc j'ai craqué chez Sephora. J'ai pris avec mes points gold, etc., le parfum Kayali, qui est un parfum qui me faisait tellement, tellement, tellement envie, à vanille, orchide. Je l'avais en miniature et tout, j'avais trop adoré. Donc c'est juste packaging trop, trop beau. Hein. Regardez-moi cette merveille. Est-ce que j'ai réussi à le trouver? Hop, il est trop beau. Alors il coûte assez cher, mais avec moi 25%, ça passe. Et il est vraiment, il sent du... Il sent tellement bon. Il sent tellement bon, je vous dis pas. J'ai craqué pour le fameux bronzer de chez Huda. Grâce à une copine qui a pu aller le chercher en magasin, j'ai pas eu avec moi 25% parce qu'il était plus sur le site. Mais c'est vrai que après avoir vu pas mal de revues, j'aurais peut-être dû me le prendre sur le site à moins 25 avec la teinte 3 parce que ça dépend en fait. Là, la teinte 1, elle a l'air d'aller, c'est un effet marbré comme ça. J'ai pas encore testé parce que comme j'ai bronzé, je sais pas du tout ce que ça donnera. Mais parfois la teinte 2 est plus claire que la teinte 1 et donc... J'hésite avec la teinte 3 du coup, j'aurais dû l'acheter à moins 25. J'ai pas pensé, j'ai pas osé, mais j'avais pas vu le produit en vrai. Donc c'est le problème de faire des soirées gold entre guillemets qu'avec des codes, avec des codes. Après j'ai hâte de tester du coup, avec la soirée gold, enfin le code gold, on a eu un petit soin pour les cheveux comme ça gratuitement. Et on a eu un masque comme ça gratuitement aussi, donc ça va sûrement aller dans des concours hein, comme je vous disais.
J'ai pris mon baume pour les lèvres de chez Too Faced que j'aime beaucoup, c'est le Hangover Pillow Balm. Celui-ci je l'ai pris en réserve parce que le mien là, c'est mon deuxième que j'utilise et je l'aime trop. Donc j'en ai déjà fini un, j'en suis à mon deuxième et là c'est le troisième parce que je voulais vraiment en avoir un autre. Et j'ai pris deux produits Too Faced avec moins 25%, deux stylos, enfin deux crayons pardon pour les yeux, les Killer Liner. Donc c'est des crayons que vous pouvez utiliser en miqueuse et j'ai pris la teinte Expresso et la teinte Turquoise qui sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et j'avais trop envie de les avoir, sachant que c'est vraiment des super crayons, vraiment ils sont top. On finit avec un colis, enfin on finit, oui c'est presque fini, promis. Avec un colis, oh ça sent fort. Un colis beauté privée, à l'intérieur j'ai craqué pour pas mal de thé. Et enfin c'est plutôt des infusions je pense, oui des infusions bio, il y avait tout un lot d'infusions bio de la marque Pages. Donc j'ai pris ceux-là qui sont version saveur coco et ananas. Donc c'était des lots de 3, donc j'en ai pour 20 ans. Menthe tout simplement, menthe digestion, toujours en infusion, donc ça c'est trop bien. Et je crois qu'il y en a encore d'autres versions. J'ai pris celui-ci qui est thé vert, hein, celui-ci c'est pas une infusion, c'est thé vert, saveur mangue et ananas. Celui-ci j'en avais entendu énormément parler en disant qu'il était vraiment bien. Et je vous dis des bêtises, c'était des lots de 4 et non de 3. Ça valait vraiment rien, ça valait le coup en tout cas de les acheter sur beauté privée. Toujours sur beauté privée, j'aime bien me reprendre là-bas mon huile essentielle de Tea Tree pour les boutons. J'en reprends souvent un petit flacon là-bas parce que ça vaut autour de 2-3 euros, donc ça reste raisonnable. Et j'ai pris des produits de la marque Avril parce qu'il y avait tout un lot Avril que vous pouviez trouver. Donc j'ai pris un soin anti-âge pour mon mari. J'ai pris un dentifrice, vous voyez j'aime bien tester les dentifrices un peu bio et tout ça, goût menthe. Donc Avril ça reste une marque bio, petit prix quand même donc c'est pas mal. Et j'ai pris un déodorant en spray comme ça, toujours de chez Avril, à base d'aloe vera bio, parfum grenade sucrée. Donc à tester parce que c'est pareil, les dentifrices et les déodorants niveau bio c'est pas forcément facile de trouver quelque chose de correct. Et j'ai pris un espèce de petit gant comme ça en... tout doux pour me démaquiller tout simplement. Je voulais tester celui-ci, je crois que ça devait coûter 1 euro sur le site, donc vraiment pas grand chose. Je vous mets le lien évidemment de beauté privée en barre d'infos et si vous passez par mon lien je crois que vous gagnez 5 euros de réduction sur votre première commande. On va s'arrêter là pour cette vidéo haul et unboxing. Après j'ai d'autres achats Nose à vous présenter et des achats Shein à vous présenter, des vrais achats hein. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo parce que ça va être beaucoup trop long et je me dis que déjà vous en avez eu pas mal aujourd'hui. Donc si vous voulez voir le futur concours que je vous réserve avec tous ces petits produits, je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram surtout et on n'hésite pas à liker la vidéo et on me met le petit mot que pourrait-on mettre comme petit mot, j'aime bien vous faire ça, comme ça vous aurez des chances supplémentaires en participant aussi ici, en mettant un petit mot, vous allez me mettre le mot la folie parce que c'était la folie des produits et des réceptions, la folie, oui mettez-moi ça en commentaire, allez je vous attends là-bas, salut!